Says harder, better, faster, stronger. Et yo tout le monde, c'est Pierre, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch. Donc aujourd'hui c'est pour rentrer dans la salle d'interrogatoire, ou plus souvent appelée la salle où on peut changer le personnage. Donc pour ça il vous faudra un hélicoptère pour que vous ayez un parachute. Une fois cela fait, il vous faudra un véhicule pour que vous... Comment dire, pour que vous puissiez aller vraiment près du mur et sauter pour accrocher en fait. Donc vous allez traverser en quelque sorte ce mur. Là il faut que vous sautiez assez bas quand même. Donc mettez la tête vraiment en avant. Vous ouvrez le parachute et il faut vraiment que vous atterrissiez avant la rue en fait. Et là, par contre il faut que vous soyez en edge, donc en vue première personne. Et là on est dans la salle d'interrogatoire. C'est vraiment super cette salle, on peut se taper de bons délires avec, avec des potes. Ouais, ça peut être vraiment sympa, vous voyez, c'est vraiment tout comme au début de GTA où on doit choisir nos personnages. Je trouve ça sympa. Bon, là, il y a eu un petit bug avec les fumigènes, mais bon, tant pis, hein. On va dire que c'est pas très grave. Donc, je connais quand même à remercier Game et Kryzen qui ont fait la vidéo avec moi et Moustata. Donc ouais, on peut se taper de bonnes barres, on peut faire des mini-guerres dedans, ça peut être vraiment sympa. On peut faire des photos, bah d'ailleurs, on va en faire, donc je pense que... N'hésitez pas à la liker, à l'aimer comme d'habitude, et surtout restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.